Le Parti communiste chinois a publié mardi un document historique, une résolution sur ses principes, réalisations et son expérience. Il couvre les 100 ans depuis la fondation du parti. C'est un résumé des idées et des pratiques sur la révolution et l'édification de la nation en Chine qui se sont avérées correctes. Le document a été adopté lors de la sixième session plénière du 19e comité central du PCC, qui s'est tenue la semaine dernière à Pékin. Le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, a fait ses remarques explicatives au cours de la réunion. Ce discours a également été rendu public. C'est la troisième fois que le Parti communiste publie un tel document après les deux premiers en 1945 et 1981. Le parti déclare que le document arrive à un moment critique alors que la Chine est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif du deuxième centenaire. L'objectif stipule que la Chine vise à devenir un pays socialiste moderne d'ici 2049, qui sera le centenaire de la République populaire.